Bonjour! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de chez Action. J'ai été semaine dernière et j'ai trouvé quelques petites nouveautés. La nouveauté top que j'ai eue, c'est ce parfum. C'est un dupe de La Vie est Belle de Lancôme. Mais c'est vraiment, que vous dire, l'odeur de ce parfum-là. C'est vraiment la même odeur et c'est aussi de l'autre parfum. J'ai vu une youtubeuse qui l'a mis, j'ai dit bon je vais aller voir. Et quand j'ai été voir, franchement, c'est ça. Et c'était la dernière bouteille, qui était déjà ouverte, hein, mais je l'ai quand même prise. Il y avait sur un testeur pour sentir, et c'est la dernière bouteille. Et c'est vraiment de l'autre parfum, et La Vie est Belle. Ils l'ont super bien copié, donc elle s'appelle Amazing Life for Women, donc c'est pour femmes, il sent très très bon. Il est là, l'emballage c'est ça. Donc pour les amatrices du parfum La Vie est Belle, chez Action, 1,99€. Je me suis acheté des petits sacs poubelles pour mettre en cuisine. 1€ et des brouettes. Il y a quand même 3 petits paquets, parce qu'on ne se rend pas compte, hein, faut bien regarder quand vous allez chez Action. Hein. Il y en a quand même pas mal, hein, 150. Hein, 150 sachets. Je me suis acheté des gants de latex. Ça, je les utilise surtout quand je fais la salle de bain et les toilettes. Ça m'aide beaucoup parce que comme je mets beaucoup de produits, beaucoup de javel et tout ça, après j'ai les mains sèches et elles me font mal. Donc j'utilise les gants de toilette. Les gants. Ces gants-là. Je les ai déjà aussi utilisés pour faire la cuisine, mais j'y arrive pas. Pour pétrir de la pâte ou quoi, je n'y arrive pas. Alors, pour 10 paires de gants, 69 centimes. Ça, ils ont mis ça en ce moment. Un pinceau. Ce pinceau-là, il a 2 têtes. Mais même pourquoi? Pour tout le visage. 1€ et des brouettes. Il ne dépasse pas les 2€. Alors, je vais vous montrer. Il y a plusieurs couleurs, mais je préférais prendre en noir. Ça, c'est un bout arrondi. Ça, c'est un bout un peu pointu. Ça, j'utiliserai plutôt. Après, on utilise comme on veut. Hein. Moi, je vais l'utiliser plutôt pour mon anti-cerne. Comme ça, ce bout-là, ça va tapoter sur le contour de l'œil. En même temps, ça fera un massage. Et ça, ce sera pour les joues. Donc, tac, tac, tac. On va faire les majorettes. Voilà. J'ai vu aussi des verres baroques. C'était toute mon enfance, les verres baroques. On avait de toute taille avec ma mère. Et là, il n'y a que ce format-là, donc j'ai pris ceux-là. Ils sont solides. Vous pouvez y aller pour qu'ils se cassent. Hein. Les verres baroques. 89 centimes pour 3. C'est vraiment pas cher. Ça, c'est nouveau chez Action. Des petits paniers pour ranger la cuisine, le tiroir de cuisine où il y a les couverts. Vous voyez comment c'est disposé? Il y a 8 pièces, c'est pour le rangement tiroir de cuisine. Après, je ferai un test hein, sur mon tiroir à moi, on verra ce que ça donne. Les bougies, elles sentent bon. Ça change des rouges et des vanilles que je prends à chaque fois. Celles-ci, elles sentent bon les fleurs. On dirait le printemps. Un petit air de printemps. J'ai pris ça aussi pour le lave-vaisselle. Un désodorisant à tester parce que parfois il y a des choses chez Action, c'est super tip top, mais parfois, franchement, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment de la grosse merde. Donc, ça à tester, j'ai 60 centimes, je crois, un truc comme ça. Donc, j'ai dit, je vais tester une petite pochette pour les écouteurs en emoji. J'ai pris celle-ci pour ma fille parce qu'à chaque fois, maman, j'ai perdu mes écouteurs là. Alors, elle n'a pas de raison de dire qu'elle a perdu ses écouteurs. Il y a une fermeture éclair. Ça fait comme un petit porte-monnaie. En plus, c'est mignon. C'est pour les écouteurs de ma fille. Ensuite, ça, il l'avait déjà, mais on ne prête pas attention. En fait, on prend souvent le même produit. Et là, j'ai dit, je vais tester celui-là. Parce qu'il est à base de bicarbonate de soude. Et il sent très bon. C'est à la lavande. Regardez, pour le nettoyage des surfaces dures et résistantes à l'eau. Donc, à tester. Je vais tester. Mais vu que
vu qu'il est là posé et que personne n'y prête attention, j'en suis sûre que ça doit être une tuerie ce produit-là. Il fait quoi? Il fait moins d'un euro. Je crois qu'il fait 80 centimes, un truc comme ça. 750 ml. À tester. Je testerai. Ils ont posé des petits pots comme ça. J'ai aimé. Des petits pots pour offrir, faire des cadeaux, mettre dedans des bonbons, du sable, des cailloux, des bougies, des épices. S'il nous reste un fond de lentilles, un fond de pâte, quoi que ce soit, c'est très joli. Vous avez deux formes différentes. Pourquoi j'ai pris cette forme ronde? Parce qu'au fait, moi, je regarde beaucoup la contenance. Et la contenance de la forme ronde, elle est meilleure que la contenance du pot normal. Donc, j'ai pris celle-ci. 69 centimes, ce pot-là. J'en ai pris deux. Et au fur et à mesure, ben, j'irai en prendre. Même autre chose, j'ai une idée, là. Du coton, par exemple, pour la salle de bain, pour la chambre à coucher. Nous, les femmes, on a beaucoup de coton-tiges, des petits cotons pour imbiber les disques de coton, les petits cotons pour imbiber nos produits démaquillants, pour faire nos petits masques et tout ça. Ça peut servir aussi. Ah ouais, pourquoi pas. Tout peut servir. Et ce panier-là, il n'y avait que celui-là, j'étais dégoûtée, je voulais en prendre plusieurs, parce que ce coloris-là, je préfère. La dernière fois, j'avais trouvé que des bleus. Là, je ne vais pas prendre blanc, parce que blanc, ça salit vite. Là, c'était en gris, 69 centimes, mais avec celui-là. C'est pas grave. J'espère que la prochaine fois que j'irai, j'en retrouverai. Donc voilà mes petits achats du jour de chez Action. Maintenant, on va passer aux achats de chez Kruidvat. J'ai été chez Kruidvat. Je me suis fait des petites promos. Comme là, c'était la fin des soldes. Et chez Kruidvat, il y avait des produits à moins 50 et des produits à moins 75%. A tout de suite. Voilà mon tiroir, les petits box que j'ai acheté chez Action. On va tester ça, voir la contenance que ça peut prendre. Je pense que ça dépend des tiroirs. Allez, c'est parti. Bon, il y en a pas mal. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Pas mal. Allez, c'est parti. Je vois comment je peux disposer. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et les petits. Peut-être qu'il y a une façon de faire. Ah d'accord, ouais. Il y a une façon de faire. En fait, ils s'emboîtent. Comme ça. Et là, ça va être pile poil. Ben, c'est juste nickel chrome. Ah ben, c'est nickel. Ça va direct sur mon tiroir. Bien sûr, il y a une disposition à faire. Donc, je cherche la disposition, mais c'est bon. Ça me va dans mon tiroir, c'est le principal. Je pourrais ranger mes petits ustensiles. Non, ça ira dans notre tiroir. C'est plutôt pour les petits trucs, au fait. Pas mettre trop de choses là. Bon, je vais mettre dans ce tiroir là. Il n'y aura plus qu'à faire à refaire correctement. Ah voilà, ça s'emboîte là, en fait. Comme ça. Ok. On joue, au fait. Il n'y a pas d'âge, hein. Allez, hop. Comme toi, je sais pas comment faire. Ah, voilà. Ah ben, comme ça, c'est mieux. Voilà, je voulais vous montrer comment on peut disposer dans le tiroir. Ça se dispose comme ça. Voilà, j'ai rangé, j'ai mis mes couverts. Les couteaux sont dans l'autre tiroir, hein, je vous rassure. J'ai des couteaux et j'ai beaucoup d'ustensiles de pâtisserie. Voilà, ça fait ça. Et je voulais vous donner une petite idée aussi. C'est qu'en cuisine, j'ai des pansements. Et oui, parce qu'un petit bobo, une petite coupure, c'est tellement vite arrivé. Donc j'en ai de plusieurs formats. En rond. J'ai aussi comme ça. Et je découpe au fur et à mesure de ce que j'ai besoin. Vous voyez,
Donc pensez à mettre des pansements avec vous en cuisine. Comme ça, dès qu'il y a coupure, pack direct, vous mettez la main ou le doigt sous l'eau froide. Et après, vous arrêtez le saignement et vous mettez tout de suite un pansement. Ça vous évite de courir dans la boîte à pharmacie, dans la salle de bain. Et toujours, quand on cherche quelque chose, de toute façon, on ne le trouve pas. Donc, avoir quelque chose à portée de main, c'est plus facile. Donc voilà, là c'est un petit ruban aussi de pansement. J'ai ça en cuisine. Une petite astuce que je vais vous partager. Et voilà ce que ça fait comme rangement. Ça prend quand même pas mal. Donc la prochaine fois, je ferai aussi pour les couteaux. Voilà ici, voilou. Bonjour. Là, c'est la suite. Donc comme je vous disais, j'ai été à Kruidvat et j'ai fait quelques petits achats. Pourquoi je dis petit? Parce que franchement, j'ai fait des bonnes promotions. Comme cette montre, j'ai eu un coup de cœur pour cette montre. Elle était à moins 50%. Elle est jolie. Elle est très belle. Bracelet et fin. Je la porterai pour des occasions, des sorties. Pour essayer de la garder en bon état le plus longtemps possible. Donc elle était à 9 euros. J'arrondis, hein. Et je lui ai 4,50 euros. Elle est jolie, vous voyez. Pas besoin d'avoir des grandes montres à de grandes marques, hein, pour avoir un coup de cœur. Franchement, celle-là, j'ai aimé. On dirait une style de quartz. Même si c'est écrit quartz, mais je pense pas que ce soit une vraie quartz à ce prix-là. Mais c'est joli. Voilà, ça c'est pour moi. Ensuite, j'ai acheté pour les enfants du coloriage. C'était à moins 50%. Avec les crayons, les feuilles, tout ça déjà pré-imprimé. Donc il y a 6 posters à 4. Ça veut dire qu'ils pourront les colorier et ensuite les coller. Et à l'intérieur, des stickers. Vous voyez? C'est joli. Ça aussi, j'ai trop aimé. Je suis une grande gamine. J'aime bien les contes de princesses et tout ça, les contes Disney. C'est surtout Aladdin que j'aime beaucoup. Et comme j'aime beaucoup la cuisine, et quand j'ai vu ça, grand enfant que je suis, j'ai pas résisté. En fait, c'est des tasses avec la théière qu'on peut colorier. Vous voyez? Là, je les ai à l'état naturel, brut, on va dire. Et il y a les coloriages. Et à moi de les colorier. Donc, si c'était à ce prix-là, je les ai eu à moins 50%. Là-bas, il y a les yeux et tout ça. Il y a tout ce qu'il faut pour costumiser. T'inquiète pas. La belle, je vais m'occuper de tout ça. J'ai pris 2 paquets. Ensuite, il y avait aussi cet ensemble-là, short débardeur. Par contre, les vêtements, ils sont à moins 75%. Tout ce qui est coloriage et tout, c'est moins 50. Mais les vêtements, moins 75%. Donc franchement, si vous avez un Kruidvat pas loin de chez vous, foncez. Même pour offrir et tout ça, c'est juste top. Il y avait aussi cette boîte de coloriage Cars. Ça fait une forme de pot de Kinder. Avec les feutres à l'intérieur. Je crois même qu'il y a des tampons avec. Alors, il y a quoi? Oui. Il y a des tampons aussi avec. Toujours pour offrir. Ça, c'est pour offrir. Ça, c'est une pochette. On peut mettre ce qu'on veut, mais moi, je ne mettrai pas spécialement ça. Mais c'est vrai que c'est pratique. Surtout quand on voyage. Pour mettre votre protège-slip, les serviettes hygiéniques et les tampons. Il y avait plusieurs coloris. Moins 50 aussi. Ça fait un petit portefeuille. C'est vrai que c'est discret dans un sac. On ne va pas se dire, oh, bah, il y a des serviettes dedans et tout ça. Et elle est belle, la pochette. Ensuite, tenue Cars. Il est trop mimi, petit garçon. Tenue pyjama Cars, moins 75%. C'est trop joli. Les couleurs, j'aime. Pyjama pour femme. Une chemise de nuit. Moins 75. Elle était à 3 euros. J'ai dû la payer dans 1 euro et des poussières. Elle est jolie. Hein. Un rose poudré. La tendance. La preuve. J'ai un rose poudré là. J'aime beaucoup cette couleur.
Ensuite, un pyjama. Un pyjama bleu nuit. Moins 75. Il était à 9,99. Je suis à moins 75%. Ça, ce sera plutôt pour ma fille, car je n'ai pas trouvé ma taille. Il est joli. Hein. En fait, chez Kruidvat, il y a des articles, franchement, c'est de qualité. Hein. J'ai déjà acheté des pyjamas chez eux. Et lavé et relavé. Et nickel. Comme chez Action, d'ailleurs. Même Action, je ne suis pas déçue de leur pyjama. Mais là, pour le prix, dommage que j'ai trouvé que cette taille-là. Ensuite, je passe du coq à l'âne. Hein. J'ai trouvé un moulin à épices. Donc celui-là, je l'utiliserai exclusivement pour mon sel de l'Himalaya. Il est à 4,99€. C'est un moulin électrique. Hein. Faut que je mette des piles. Et pom pom, j'appuie là. Il est super joli. Il est design en plus. On a lu comme ça, j'aime bien. Je lui ai à 2,50€. C'est pas une bonne affaire, ça. Il est très joli. En fait, ce sera là que je devrais appuyer. Une fois que j'aurai mis les piles et le sel, bien sûr. Aussi, des brosses. Celle-ci, j'ai aimé. Je lui ai à 1€. Hein. Elle est à moins 50. Pratique, elle est petite et je peux la transporter partout. Et la poignée est antidérapante. En fait, elle ne glissera pas. Même s'il y a de l'eau dans vos mains, elle ne glissera pas. Celle-ci en bois. Elle est jolie aussi, celle-ci. Moins 50 aussi. Donc celle-là, elle est à 1,49. Moins 50%. 75 centimes. Il y a de quoi se coiffer. Hein. Ensuite, une petite mallette avec tout ce qu'il faut. Crayon, stylo. Mais c'est une Star Wars. Elle est jolie, hein. Avec un petit carnet, au fait, à l'intérieur. Après, on peut mettre ce qu'on veut. On peut retirer les crayons et mettre des feutres. Pareil, là, mettre des plumes. Une petite règle. Une petite gomme. Taille crayon. Après, on peut retirer et on met ce qu'on veut. Après, j'ai pensé aussi, mais comme c'est Star Wars, hein, il n'y avait pas d'autre coup. S'il y aurait eu une princesse ou quoi, je l'aurais prise sans hésiter. Pourquoi? Là, j'aurais mis mes crayons à lèvres, mon eyeliner, mon ricil. Vous savez, ça peut vous donner aussi une idée pour mettre vos maquillages. Là, là bien sûr, le taille crayon, bah, pour tailler nos crayons à lèvres, nos crayons pour les yeux. On peut mettre ce qu'on veut, en fait. Hein. C'est à nous d'avoir de l'imagination. Voici, voilà. J'ai acheté aussi un organiseur pour voiture. En fait, c'est plus un organiseur pour mettre à la maison, mais moi, je vais trouver un autre système. Parce que là, il y a deux attaches. Je vais mettre dos à mon siège de voiture pour mettre plein de choses pour bébé. Ses biberons, ses couches, ses lingettes. En fait, je mettrai tout en double. Je laisserai dans la voiture. Comme ça, je serai tranquille. Parce que parfois, ça arrive, hein, on part par coup de tête et on oublie. Ah, j'ai oublié ça, j'ai oublié sa couche, j'ai oublié ses lingettes. Son petit jouet. Je laisserai tout en double dans la voiture. Bien sûr, sauf les biberons. Le biberon aussi, je laisserai un biberon, mais vide. Comme ça, si j'ai oublié son biberon, bah voilà, j'aurai un biberon dans la voiture. Je pourrais lui faire je vais acheter, mettre du jus, mettre du lait. Donc ça, j'ai pensé à ça. L'organiseur, je lui ai à moins 50%. Je vais l'ouvrir. Quelle est ma surprise? Il n'y a pas un organiseur, mais il y en a deux. C'est super, ça. Je pourrais les mettre sur les deux sièges, alors. J'en ai trouvé deux. Il n'est pas trop mignon, Cars. C'est aussi des dessins animés préférés. Voilà. Voilà, vous voyez. On peut mettre des affaires dedans. Hein. Comme ça, on les met debout pour gagner de la place. Coucher. C'est joli. Ah ben, j'en ai trouvé deux. Je pensais que j'en avais qu'un, mais il y en a deux. Donc voilà le premier. Et voilà le deuxième. Là, il fait son petit sourire de filou. Comme mon bébé, il fait le même sourire quand il veut quelque chose ou qu'il a fait une bêtise. Voilà, voilà. Voilà mes achats de chez Kruidvat. J'espère que ça vous aura donné des idées. Et comme ça, vous voyez un peu, je partage avec vous un petit peu quand même mes achats du quotidien. Voici, voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.